Bonsoir, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à notre spectacle d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, nous aimerions bien vous situer un peu le contexte. L'association Fargo Culture, il y a de cela 2 ans, était à la recherche, ensemble avec ses partenaires, était à la recherche d'histoires authentiquement authentiques pour la création de films ou de spectacles de théâtre. C'est ainsi que dans ces périples, on s'est rendu à Vaughan, Vaughan la Grande, pas Vaughan la Petite, et on y a rencontré un homme qui campait devant une école et qui voulait que les histoires de son village y soient enseignées. Alors bien entendu, on s'est rapproché de lui et on a discuté avec lui, on a parlé avec lui, et le monsieur nous disait qu'il aurait entendu parler d'une histoire originaire de chez lui, mais qui aurait été exporté, emmené par des colons vers l'Angleterre victorienne, et où un va-nu-pied en aurait fait une histoire qui a fait un succès mondial. Alors le monsieur, il voulait porter plainte même auprès de l'UNESCO pour vol de propriété. On a ri à son nez, mais après qu'il nous ait raconté son histoire, on a jugé bon de le colporter sur la scène et de le porter à notre public bien-aimé. Donc le vieux, Azankli Trilulu, il est quelque part au milieu de nous. Si vous voulez bien, à la fin du spectacle, vous pouvez vous approcher de lui pour discuter avec lui, mais en prenant soin de lui offrir d'abord une bouteille de solati. Sur ce, je vous souhaite bon spectacle. Parce que la nuit voit mes pas errer dans les petites bourgades. Oh, combien agréable, ce qui rend l'ennui d'autant plus incommensurable. Après avoir passé la nuit à faire le guet et le triste piquet, je rentre à l'arbre et j'arrose le jardin de mes pleurs. Notre jardin est devenu un vrai potager fleuri, une mini forêt tropicale. Il pousse des fleurs, les plus belles fleurs de la ville. La boutillon, l'antirium, du curcuma, de l'hibiscus, de l'oiseau de paradis qui me fait sentir les flammes de l'enfer. Et je me mets encore à pleurer, à pleurer, à pleurer. Oh mon Dieu, que je pleurais! Bon, on dit que je ne suis pas un vrai gars, car les garçons ne pleurent pas. Mais moi, de ma bouche, je fais ce que je veux. Si je veux pleurer, alors je pleure et j'arrose le jardin de mes pleurs.
Et les plantes poussent, poussent. Et je sens l'odeur. Je vais pleurer. 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 Mais qui ne connaît pas le grand, le beau, le fierté de Montaga. Et vous, vous êtes? Mais tu déconnes, Zoméo. Zoméo, je m'appelle Zoméo, et non Zoméo. Ah ouais, c'est vrai, excuse-moi. Je zozote quelquefois. Cela m'arrive quand dans une journée, j'utilise plus de 123 000 mots. 223 millions et 1. Et 2, et 3, 4, 5, 6, invite quelques sans me prévenir. Mais bon, si tu veux, je peux reprendre ma phrase pour corriger l'erreur avant que quelques scribes zélés ne la retiennent pour les siècles et générations à venir. C'est pas grave, je suppose. Oh, c'est très aimable à toi, mon beau Joméo. Tu ne me reconnais pas quand bien même ta réaction me surprenne. Pourquoi tu parles comme ça? Comment parle-je? Comme si tu devais acheter chaque mot avant de les utiliser. C'est vrai, excuse-moi, c'est une mauvaise habitude héritée de ma mère qui fut commerçante. Et elle vendait quoi? La santé. Oh, la santé? Oui, lutter contre les maux. Oh, mais quel mot? Mais les maux de tête, de gorge, de ventre. Tu pensais à quel mot, toi? Je ne sais pas, un mot me détourne de ce que je voulais savoir. Oui, ce n'est pas une raison pour ne pas me reconnaître. On m'avait dit que depuis ta nouvelle célébrité, tu étais devenu prétentieux. Je croyais qu'on exagérait. Qui célèbre? Moi célèbre? Mais que fumes-tu? Ne sais-tu pas que ton histoire est jouée sur des milliers de scènes de par le monde? Love me, kiss me, kiss me. Love me, kiss me, kiss me. Love me, kiss me, kiss me. Love me, love me. Oh, j'aurais aimé te faire avec Théonardo si la plus haut. Et c'est qui? Et ça, c'est dit mon frère. Quoi? Moi, je suis ton frère? Oh, mais franchement, tu as décidé de m'énerver. Hein? Joméo, je suis Zanette, ta soeur jumelle. Une soeur jumelle, moi? Mais oui, gros Nigo, nous sommes nés de même père. Je suis arrivée 20 minutes avant toi, mais j'ai grandi loin de Vaughan, dans un petit village qu'on appelle Sarpi. Oh, Sarpi, grand-mère, petit, il y avait des tueurs, des putes, des vagabonds. Et au-dessus d'une petite église, un bossu chantait et dansait pour l'amour d'Esmeralda. Mais maintenant, je suis de retour. Joméo, ta soeur jumelle est de retour. Si tu le veux. Évidemment que je le veux. Si je ne voulais pas, je ne serais pas là. Donc si je suis là, cela signifie que je voudrais être là. Tu comprends? Oui. Voilà. Alors, beau Joméo, pourquoi tu es si triste? Tu disparais la nuit, reviens au petit matin, t'enfermes dans ta chambre. Y a-t-il quelques filles qui viennent t'attendre de nuit? Tu as tout faux, Zanette, tu as tout faux. Alors je me hais, pourquoi donc cette tristesse? La tristesse de ne pas avoir ce qui les abrégerait. Tu es amoureux? Perdument. Mais faut-il que l'amour si doux en apparence soit si tyrannique et cruel à l'épreuve?
Hélas, faut-il que l'amour, malgré le bandeau de l'aveugle, trouve toujours où sans y voir le chemin vers son but. Oh amour, oh tumulté amour, oh tout créé de rien. Oh, lourde légèreté, vanité sérieuse, infâme chaos de ravissante vision. Voilà l'amour que je ressens, voilà l'amour que je ressens, je ne sens pas l'amour, je ne sens pas l'amour. Tu ris, c'est ça hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tout ce blablabla pour dire que tu es amoureux, hein? Attends, qu'est-ce qui t'attire chez elle? Hein? Dis-moi, petit vicieux. Tu parles du chemin vers son but. Oh, là, mon petit frère, elle a de beaux seins, c'est ça? C'est ce qui t'aime aussi? Oui. Tel est l'effet de ses seins sur mon front. J'entends l'amour entre mes oreilles qui montent et qui s'épanouit dans une mer de coquillages. Vert, bleu, jaune, le coquillage. Coquin, coquiqui. Coquin, coquiqui. Coquin, coquiqui. Coquillage ce jour, voulez-vous briller? Coquillage toujours, voulez-vous être mangé? Ma faim n'a pas de pain, j'aimerais tout pouvoir t'engloutir, mais mon estomac fait la grève. Coquille, c'est. Il a vraiment inspiré. Mais pourquoi l'amour fait-il découvrir des mots, des pas de danse? Des expressions corporelles nouvelles. Si cet imbécile avait faim, une faim qui menacerait son existence, il ne serait tout de même pas en train de chanter. Mais avec l'amour, tout le monde devient poète. Avec l'amour, tout le monde se sent pousser des ailes, mais il y a des ailes de pigeon, de colibri, de poulet, et même des ailes de moustique. Avec l'amour, tout ce monsieur amoureux devient poète. Et comment peut-elle ne pas vouloir de toi? Tu lui as bien dit que c'est toi le grand Gémeaux. C'est elle la frappe à côté, car elle est hors de tête de flèche de Cupidon, le petit gazouet. Elle est armée d'une chasteté à toute épreuve. Elle vit à l'abri de l'arc enfantin de l'amour. Elle ne se laisse pas assiéger en termes amoureux. Elle se dérobe au choc des regards provoquants et ferme ses cuisses, telle une sainte statue. Oh! Elle est riche en beauté, misérable, seulement ceux qui aiment son beau trésor doivent mourir en elle. Jomeo est amoureux, amoureux est Jomeo, 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 Jindan, Jomeo est amoureux, amoureux. C'est même pas vrai, c'est même pas vrai. Jomeo veut voir ce qui se trouve sous le voile, mon frère. Jomeo veut dévoiler les secrets du voile, du dessus, le voile, de dessous, le voile. Oh, ça va, petit frère. Oh, ça va, je te taquine. C'est bon, je te taquine. Je vais aller la voir et lui toucher deux mots. Je ne suis pas sûr que deux mots suffiraient. Alors autant de mots qui suffiraient pour la convaincre que tu es un homme merveilleux et que l'histoire retiendra ton nom. Aussi a-t-elle intérêt à t'accepter. Mais pour qui se prend-elle cette rubriette? Ne connaît-elle pas l'histoire ou veut-elle en inventer une autre? Ruliette? Hein? Qu'est-ce qui te surprend? Je ne sais pas pourquoi tu parles de Ruliette. C'est ça votre histoire, non? Jomeo et Ruliette. De quelle histoire parles-tu? Ruliette, ça doit faire des années que je ne l'ai plus vue. Et puis, elle devait avoir une dizaine d'années à l'époque quand je l'ai vue. Tu sais très bien que sa famille est la nôtre. Tu me perds là. Dans tous les livres, dans tous les films, sur toutes les scènes, on parle de Jomeo et Ruliette. Vous êtes le couple le plus célèbre au monde. Si je te connaissais mieux, je dirais que tu as fumé une herbe qui te fait planer sur les ailes d'un ange qui aura fumé une forêt tropicale. Je croyais que tu pouvais m'aider, mais apparemment tu as la tête ailleurs. Et tes mots alambiqués et obscurs ne sauraient m'aider à conquérir à Rulazine. Rulazine? Est-ce le nom de Rulazine? Est-ce que je te le dis? Je dois bien connaître le nom de la femme qui m'empêche de dormir des nuits et des jours. C'est gris dans mon âme comme un ver de terre. Le jour et la nuit se transforment en troupeau d'éléphants qui me fracassent l'esprit, qui me fracassent l'esprit. Ne me laissant aucune seconde de tranquillité, elle est là, courant dans tous les sens, se mettant quelquefois nu pour me narguer de sa splendide beauté. Et quand je lui parle, et quand je lui ouvre mon cœur, elle me traite d'enfant et se rit de moi. En réalité, je n'ai vraiment point lu l'ouvrage.
Il est tellement connu que je croyais aussi le connaître. La connaissance par procuration. Mais où vas-tu comme ça? Là-haut, je ne te verrai plus. Pourquoi cela? Vous pleurez à loisir et laissez mon cœur fendre de désir. Car la raison que tu es censé m'apporter n'est que pure folie. Tu parles des choses qui revêtent de la sorcellerie. Comment peux-tu prétendre connaître ce qui n'a pas encore été? Ça va, calme-toi. Je suis en erreur et je le reconnais. Mais je vais t'aider à accomplir ton destin. Vraiment? Oh oui, vraiment. M'apporter le cœur de Vélazine? Non, plutôt lui confier ton cœur. Et elle en prendra soin? Oh, elle en prendra soin, je te le promets. Va en paix. Frère inconnu, va et rêve tant que tu le désires de Vélazine. Car, je te l'assure, au prochain matin, elle cognera à ta porte avant que la foule ne se mette à courir poursuivie du coq à le. Quand on n'a plus personne, il est bon d'avoir des jumeaux inconnus. Oh, que ça me touche. Nous sommes nés dans la même année. Je te tenais par le bout du nez. À vivre ensemble, maintenant nous voilà condamnés. Moi la belle aînée, le petit frère passionné. De l'enfant, je te privais de dîner. À table, je te tenais emprisonné. Il me disait, moi j'avais la tenue. Maman comprenait pas que tu sois un apnée. Elle savait pas qui sur tes plats était déchaîné. C'était moi, Zanette Gonnet. C'est le passé, tout cela est passé. C'est bien, tu m'avais bien agacé. Mais je t'aurais bien concassé si de force j'en avais assez. C'est le passé, tout cela est passé. C'est bien, je t'ai agacé. Je t'aurais bien remplacé. Mais aujourd'hui, je vais t'embrasser. La lettre. Se marie. Dans quel monde sommes-nous donc? Une fille de 22 ans. Hein? La mère d'Auréliette, elle n'avait que 34 quand nous mariâmes. Et pourtant, il a fallu tout lui apprendre. Faire la cuisine, piler le foufou, car c'est mon repas préféré. Et surtout, comment faire une bonne sauce arachide? Et au lit, oh là là, au lit, la 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 la, tépé. Aïe 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 aïe. Je donne une fête ce soir à laquelle j'invite tous ceux que j'aime. Vous serez le très bienvenu et vous y découvrirez de belles fleurs en bourgeon, des fleurs épanouies, en horizontale, en vidange, en émoi, en véhémence, en cascadelle et en effervescence. Allez, allez, venez, 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 choisissez, choisissez. Écoutez, Juliette, ma belle, sera là. Bon, il faut faire la liste de tous les gens dignes de Fougan pour voir si l'un d'entre eux pourrait s'approcher de la pluie.
gracieuse des femmes que notre pays ait connue. Cela pensait même pour un mariage princier. Mais cela fait quelques années que nous attendons le prince en vain. Alors, à défaut du prince, nous prenons volontiers un cordonnier s'il est bien chaussé, un couturier s'il est bien vêtu, un politicien s'il est bien poli, un menuisier si sa poche n'est point menue, un pêcheur si sa barque est pleine de poissons, un tisserand si ses tissus sont d'or. Mais nous refermerons la porte au nez de tous ceux qui font métier de vendre des mots ou vendre vide. Alors, poète pouilleux, écrivain écrasé, chanteur chiantant, danseur en transe, comédien, ah voilà, 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 les plus inutiles car les plus comiques. Éloignez-vous de ma maison si vous ne voulez pas rôtir. Car les gardes ont reçu l'ordre de brûler dans une grosse marmite de l'huile de palme et d'en verser une pleine louche, deux pleines louches, trois pleines louches, dix pleins gabans si vous laissez vos pas vous porter ma devant ma devanture. Alors, noble peuple de Vogas, venez à ma fête ce soir. Oh, valeureux peuple, vous qui avez combattu et battu Rome à la porte d'Assigamé, venez à la fête du noble Crapuleux, fils de Crapule le Gras. Attends. Oh, elle vous attend. Elle vous attend. Oh. Il parle de prison, car c'est le plus important. Une dame Jeanne de vin de palme pour moi. Une dame Jeanne de vin de palme pour ma femme qui n'en voit pas. Alors, n'est-ce pas? Qui lui a mon intérieur. Oh,
Riliette, 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 toi, l'extérieur de mon intérieur. Oh, Riliette, ah, la perfection de mes entrailles. Allez, allez, Riliette, allez, Riliette, viens, viens, Riliette, viens, viens faire la fête avec nous et accueillir nos nobles invités. C'est bien beau de danser, de chanter, mais tu m'avais dit que Rulazine serait présente. Je ne la vois nulle part. Oh, tant c'est patient. Sinon, tu peux regarder autour de toi. Il y a autre chose. Je te dis que je n'aime que Rulazine, moi. Que c'est elle la première à avoir emporté mon cœur sans aucune restriction. Tellement emporté qu'il s'est vidé de son sang et s'est arrêté de battre. Seul sa venue, seul son amour le redonnera vie et me permettra de continuer à voler ce maudit sol de mes tristes pas. Oh. Ton cœur s'est arrêté de battre. Oui, le tour aimé, il s'est arrêté de battre et a bâti en retraite. Touche-le, touche-le et dis-moi s'il bat encore. Mais à quel jeu tu joues, Joméo? Tu ne peux danser si ton corps ne bat plus. Es-tu revenu du pays des morts? Mais pas m'y conduise à vivre à vivre, sa vie. Bientôt, tu ne verras plus ce corps vide de vie, car le souffle brûlant de Rulazine lui aurait à jamais manqué. Mais je ne vous connais pas, vous. De quelle contrée venez-vous? Nous venons de loin. Chère élégance, nous venons du pays des merveilles. Nous avions entendu parler des prochaines noces de la belle Juliette. Notre voix a tenu à ce que nous soyons présents. Vous apportez des présents que nous avons présentés à votre épouse ici à Saint. Oh, mon épouse, mon épouse. Il aurait mieux valu me présenter ses présents. Oh, vous savez, elle est devenue mon passé. Ces rires m'avaient conquis, mais aujourd'hui, il n'y a plus qu'amertume en elle. De l'amertume? Comment peut-on perdre son sourire quand on vit auprès d'un homme aussi élégant? Un homme à la prestance et à la générosité aussi légendaire. N'est-ce pas? Et donc, vous avez entendu parler de moi? Même dans les royaumes. Les royaumes de... Oh, mais qui ne connaît pas? Qui ne connaît pas dans les mondes qui nous entourent? Passé, présent, futur et même invisible. Qui ne connaît pas la réputation de crapuleux? N'est-ce pas? Vos louanges et vos faits d'armes sont chantés dans des espaces dont vous ne pourriez imaginer l'existence. Oh. Un instant, à l'instant où je vous parle, une grande fête en votre honneur est organisée à l'espace Biomé, le séjour des grands rois. Oh là 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 là! Oh, n'est-ce pas? Je lui disais à mon épouse que son époux, sous ses airs de petit homme riche, avait une âme qui irradiait l'univers entier et que par conséquent, elle me devait respect et considération. Je le lui disais nuit et jour, et elle, nuit et jour, se faisait que se plaindre du travail domestique, du peu d'aide que je lui donnais, du peu d'intérêt que je lui accordais, sinon pour assouvir à mes désirs sexuels. Vous qui avez vu le monde, vous qui connaissez le monde, et dites-moi, quel jeu pourrais-je jouer avec mon épouse? N'est-elle pas ma petite moitié? Et ne me doit-elle pas soumission à toutes choses? Vous avez parfaitement raison. Oh là là! Et si je pouvais la voir, je lui toucherais deux mots. Oh! Vous savez que deux mots ne suffiraient pas. Et quelquefois, elle est insignifiante. Vous savez? Ma femme, et toute votre bonne volonté n'y changera rien. Mais
Je l'ai vu en arrivant. Oh, n'est-ce pas? Vous l'avez vous-même dit. Vous savez, elle se transforme quelquefois pour mieux s'évanouir la nuit, laissant un nuage d'inconsistance. Mais je détourne son attention. Mais de quoi? Mais de toi, Nigo. Si tu savais ici au plein fiançailles de Ruliette, c'est sûr qu'il ne trouverait pas te toucher. Oh, mais Ruliette m'indiffère-moi. Il n'y a que Rulazine qui trouve grâce à mes yeux. Et tu viens la chercher chez Ruliette. C'est pas toi qui m'as demandé de venir ici. Et votre l'aime bien, Ali. Est-ce votre l'aime bien? Oh non. Je l'aime bien, mais mon cœur ne lui appartient point. Oh. Encore moins mon corps. Oh là là, alors, sont-ils à prendre? Qui? Votre cœur, votre cœur. Oui, ils sont à prendre. Oh là là, là là, là là. N'est-ce pas? Oh, je le lui disais, je lui disais. Oh là là, j'ai trouvé un cœur qui ne m'écœure point. Un cœur avec qui je ferai cœur. Votre l'aime bien a-t-il un problème avec moi? Sinon, je ne saurais hésiter à le défier en un combat singulier pour votre cœur et pluriel pour votre cœur. Vous savez, j'ai l'air un peu empâté, mais je suis un jeune homme d'une prestance irrésistible que les jeunes filles craignaient accepter mes avances car soupçonnant ne pas m'avoir à elles seules. Alors, tandis que mes amis embrassaient et chantaient, dansaient, moi, je m'entraînais à devenir l'homme le moins malléable de notre pays. Allez, sentez, touchez la vigueur de la rigueur. Oh, les muscles! Oh là là! Oh là là! Quelle masculinité! Oh, n'est-ce pas? Vraiment, quel héros! Et vous êtes sûr que votre compagnon ne m'en veut pas? Ne vous inquiétez pas pour lui. Il y a des gens qui ne peuvent vous manquer de prouver de la jalousie pour ce qu'ils ne peuvent posséder. J'aimerais vous montrer ma chambre à coucher. Elle a quoi d'extraordinaire? Oh, vous le découvrirez en y pénétrant. J'espère que vos pensées sont pures. Oh là, n'est-ce pas? Elles sont plus pures que les vôtres. Il n'y a plus de musique.
Pourquoi ce son qui insiste dans mes oreilles et les met en sang? Est-ce la vue de Villagine dans les bras d'un autre homme? Comment peut-elle me jouer un tel tour à moi qui, depuis notre première rencontre, lui si fidèle? À moi qui pense à elle sans relâche? À moi qui courais après elle dans les rues sans faire attention aux ânes qui auraient pu me renverser? À moi qui sautais dans le fleuve pour la sauver des crocodiles qui lui dansaient autour? À moi qui me couchais sur le ventre pour mieux voir ses orteils au dessus parfait? Comment peut-elle alors que je suis dans le pays, alors que je suis dans les parages, alors que je suis sur la même planète qu'elle? Oser se liquéfier dans les bras de notre homme. Ne suis-je pas beau pour la peau une belle femme du monde? Ma tête n'est-elle pas assez grosse pour contenir toute la pensée qu'elle voudra bien me confier? Mes jambes ne sont-elles pas assez robustes pour courir le chercher de l'eau au marigot? Pourquoi choisit-elle cet homme au cou raide, à l'allure si efféminée, porté par la fierté d'un idiot savant? Où se cache-t-elle? Où se cache-t-elle? La princesse pour laquelle je suis allé sur la plus haute montagne de la terre pour y poser la fleur de l'alliance comme me l'avait demandé son père. Ah, je suis de retour. J'étais là-haut et j'ai vu tout le bas. Je suis de retour pour enfin prendre la main de ma belle et avec elle régner sur le village entier de la mort de mon père qui ne saurait tarder. Je suis là. Mais tu es qui, toi? Personne. Je suis venu pour la fête. Une fête? Mais quelle fête? Je ne vois point de fête ici. Ah! Ou bien es-tu une fête à toi tout seul? Oh là 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 là! Quel travail! Elle est bien celle-là. Es-tu une fête à toi tout seul? Oh là là, si je pouvais inventer un gros livre que j'appellerais Dictionnaire de mes citations, je pense que le monde s'en porterait mieux. Alors, petit, où sont les autres? Je ne sais pas. La fête s'est vidée de ses ombres sans que personne ne s'en rende compte. Tu avais l'esprit ailleurs? Je suppose. Ah! Amoureux, perdu-moi. De toi-même, mon père s'est arrêté de battre. Oh là là, encore une belle phrase sortie de la bouche d'un patin au cœur désaccordé. J'aurais dû inventer cette phrase, moi. Merde, imbécile que je suis. Imbécile. Toujours le premier à inventer les belles phrases. Bon, je la note quand même. Avec le nez qu'il a, il n'ira jamais se plaindre à la case de droit d'auteur. De trop aimer, mon cœur s'est arrêté de battre. Signé, c'est la Piaque Brari. Oh petit, maintenant que ton cœur s'est arrêté de battre, comment veux-tu vivre? Car pour vivre, pour aimer, il faut bien vivre. Pour aimer, il faut vivre, aimer, être aimé. Hé, tu es un petit malin, toi. Mais attention, tu ne vas pas me dire que tu aimes la même femme que moi. Oh, je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Tu dois le savoir! Elle est pire à haute voix tout de suite! Sinon, je ne te résisterai pas un seul instant à t'embrancher comme un poulet bicyclette! Bicyclette! Oh, tous ces mots que j'invente et qui feront la postérité, le plaisir de la postérité! Bicyclette! Hé, petit! Comment t'appelles ta sauce combo? Sauce combo? Oui, ta sauce combo! Quoi? Quoi? Rue! Rue! Tu
viens de signer ton arrêt de mon petit. Et rentrer, de rentrer, massacre de paix de bruit. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, tu as été baisé et jugé trop léger. À l'instant, ton cœur te sera sorti de la poitrine. Déjà qu'il ne va plus, je ne sais pas pour quelle raison tu le gardes. Je me ferai le plaisir de lutter d'une poitrine qui ne le mérite pas. C'est la chose la plus difficile à faire. Je l'aimais bien, Joméo, même si je le trouvais d'une naïveté confondante. Mais le voir ainsi au sol, se tordre comme un ver de terre parce que je levais cette petite épée au-dessus de sa tête, m'a empli d'une telle haine que je n'ai pas eu d'autre choix que de laisser abattre mon épée sur ses lèvres et de la lui découper. Un homme sans lèvres peut-il faire accord à une femme? Un homme sans lèvres peut-il courir? Ah! Oh là là! Elle a encore bien trouvé celle-là! Un homme sans lèvres peut-il courir? Oh, tous ces mots que j'invente! Allons maintenant achever l'histoire de cet homme sur terre, en lui ôtant ce qui le différencie d'un poisson. Il ne faut jamais se précipiter pour ce genre de choses. Prendre tout son temps. Car l'inéluctable, c'est qu'il ne peut jamais être évité. Faire un ralenti, même grossier, et la merde de celui-là. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est cet énergumène qui... Yes. Tu ne le connais pas? Non. Mais je pensais que... Hé! Hey, c'est qui ton rue? Oui, la zine, oui, la zine. Et moi, Juliette. Et moi, l'autre. Si je comprends bien, vous ne vous connaissez pas? Non, c'est la première fois que je le vois. Et pas la dernière. Juliette, je vais parler à ton père sur le champ. Maître Crapuleux! Maître Crapuleux! Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Il se passe que je viens de surprendre votre fille. Tilapia, tu es de retour. Et la montagne, comment se porte-t-elle? Là n'est pas la question. Je dis que je viens de surprendre Juliette. À quoi? À aimer. Oh, c'est merveilleux, Tilapia. Tu es le meilleur gendre que je puisse imaginer. Et tous les absents à ma fête ont dû comprendre qu'ils pouvaient s'épargner le labeur de venir quérir le cœur de Juliette, qui, selon les oracles, appartiendrait à Tilapia Brary, le fils de notre chef, de notre belle métropole de Boga. Tilapia Brary, descendu de la montagne des pulsions. Arrêtez de me flatter. Je ne suis plus dupe. Je ne suis plus dupe. Vous m'envoyez loin d'ici passer cette stupide preuve pour la main de Juliette. Et pendant tout ce temps, vous laissez venir dans votre maison tous les fanupiers qui n'ont pour seul horizon que de se mettre à ses pieds. Tilapia, j'entends tes mots, mais je n'en comprends nullement le sens. De quoi parles-tu exactement? Que vous me trahissez, Robert! Vous me trahissez! Que sous mon nez, vous négociez avec la lie de notre peuple pour lui offrir la main de ma Juliette! Tilapia, mais avec qui est-ce que je négocie, mon Dieu? Papa, c'est... Je suis en train de parler avec mon futur gendre. Tu feras tes commentaires quand nous aurons fini de nous entendre. Mais je voulais... Juliette! Écoute ton père, s'il te plaît. Hé, Juliette! 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 Reviens ici! Nous n'avons pas encore fini. Mon père, nous n'avons même pas encore commencé. Tilapia. Salut. Nous savons tous de qui tu es le fils. Et je sais aussi que tu es un noble homme. Raison pour laquelle je t'ai autorisé à passer les épreuves pour te rapprocher plus du cœur de Juliette. Mais là, tu te passes les bornes. Mais quelles sont les bornes que je te passe? Voulez-vous me traiter de borné? Je ne laisserai personne traîner mon nom au fin fond des coulacs, fût-il mon beau-père. Tu t'offenses. Mérite
une réparation à la mesure de celle-ci. En garde. F, B, B. Et c'est quoi F, B, B? Futur, beau, B. Et pourquoi ne pas le dire plus clairement? Parce que j'aime les sigles. Tu l'as bien. Je ne parle pas la langue des sigles. Alors, si tu veux... R, O, R. Relief ou rien. F, B, B, N, S, L, F. Futur beau-père. Mère, c'est le faux. A, N, S, O, R, O, N. F, I, F, P, G, M, Q, hey. UNICEF. Bien, mère F. R, O, T. Entrez dans votre maisonnée pour y dérober ce qui vous donne le plus cher. De quoi parles-tu au juste? Celui qui a vu Ruliette avant de s'en aller. Hein? Et qui est-ce? Tchoméo Motagan. Fils de Motagan de la vallée. De quelle vallée parles-tu? Je ne connais aucune vallée. Et il n'y a que les dont je ne peux pas salir mon nom, mais ma bouche a prononcé le nom, et qui habite au pied du Montoko. Tu ferais mieux de ne pas prononcer le nom de ces gens-là sur mon toit. Excuse-moi, beau-père. Je pensais que leur donner le nom de... ferait plus chic. Mais c'est leur fils aîné que j'ai vu ici venu conquérir le cœur de Ruliette. Beau-père, le chafouin avait mis un masque et entrait discrètement dans votre maison pour vous dérober le cœur de Ruliette. Le chafouin. Et tu l'as vu, tu lui as pas planté ton épée dans le ventre? Je ne l'ai pas reconnu. Cafard, et maintenant? Il devait avoir 16 ans quand je l'ai vu pour la dernière fois. Maintenant, il me peine de le dire, mais... je dois reconnaître que c'est un grand et bel homme. Ah, là, là, tu oses faire les lois de ce gobelet sur mon toit? Je me contente de le décrire. Psychopathe. Et il a vu Ruliette? Oui, je crois. L'imposteur. Ruliette l'a vu? Oui, je pense. Ils se sont vus. Certainement. Ils se sont parlé. Absolument. Souris. Malheureux. Ah! Tu as quoi, beau-père? Ce jeune homme est une malédiction pour nous. Et jamais ma fille n'aurait dû poser le regard sur ce regard, sur ce jeune homme. Beau-père, je connais votre inimitié envers cette famille, mais je n'en ai jamais compris la raison. Il n'y a rien à y comprendre. Un fils de brigand, d'agresseur, de gros frères. Oui, je sais tout cela. Mais quelle en est la raison? Pourquoi vos deux familles se détestent-elles tant au point qu'il y ait un jour de marché pour les Montagans et un jour de marché pour les crapuleux? Tu ne connais pas l'histoire? Non, j'aimerais que vous me la racontiez. J'aimerais l'entendre de votre bouche pour enfin mettre fin aux rumeurs qui me souillent le cerveau. Il était une fois un pharaon d'Égypte. Hein? Oui. Pharaon d'Égypte? Le plus grand pharaon de la dynastie des Ptolémées. Le pharaon Hotep Hamtavivi II. À la sortie des Israélites sous la conduite de Moïse, il fut accusé d'une haute trahison et devait être décapité. Mais son chef espion, Nebonousian XV, eut vent de cette sentence. Et bien avant même qu'elle ne soit pensée, préparait leur fuite. C'est ainsi que mon ancêtre, après un périple de quelques années dans les déserts, parvint sur ces terres et se souvenant des vaches grasses d'Égypte, le nomma Faucon, ce qui signifie dans l'ancien égyptien le grand veau. Donc votre ancêtre était un pharaon? Non! Le pharaon mourut au cours du voyage et mon ancêtre, Nebonousian XV, devint le premier être humain à s'installer sur ces terres. Beau-père,
êtes vous venu alors? C'est n'avait pas de femme. Et tu vas me laisser finir mon histoire? Continuez, vous plaît. Avoue. Il ne sert à rien de m'appeler beau-père si tu ne peux pas m'écouter. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la manie qu'a cette jeunesse de ne point comprendre le mot de leur aîné croyant être né avant le jour. Beau-père, vous savez très bien que vous avez entièrement tort sur ce point. Si je suis allé souffrir sur cette stupide montagne, c'est parce que vous me l'avez demandé. Parce que tu veux toucher à ma fille. À vous. Tu ne parles plus. Vous écoutez plus utile que lever mon épée sur vous. Levez ton épée sur moi. Continuez, beau-père. Mon histoire se dilue. Peux-tu ne point me distraire jusqu'à ce que j'annonce le point final? Compris, bébé. Mon ancêtre allait souvent se promener au bord de l'océan qui, à cette époque, traversait notre village. Initié à la technologie avant-gardiste, il y construisit une pirogue qui s'appelait Bateau. Et qui prenait la mer très souvent et qui pouvait rester sur l'eau des semaines entières. C'est ainsi qu'un jour, à l'aurore d'un jour pluvieux, il découvrit une belle fille. Oh, belle comme la lune. Elles sont toujours belles dans le cœur. Hein? Rien, beau-père. Je disais belle comme un cœur. Exactement cela. Ils avaient été jetés dans l'eau par les ennemis de mon père, mon ancêtre. Et mon ancêtre. Mais parle-t-il à nous. Le grand l'a sauvé. Ils se marièrent et vécut très, très, très longtemps. Beau-père, mais depuis là, je ne vois toujours pas le rapport avec les montagnes. Oh, patience, patience. Oh. Et quelques années plus tard, alors qu'il était... À part la pêche, ils se sont mis à l'agriculture sur conseil et instruction de mon ancêtre qui avait ramené quelques secrets d'Osiris. Pour éviter les querelles possibles, chacun avait son champ voisin de celui de l'autre et était séparé par une légère bande de terre qui leur servait de frontière. Une année, à la veille de la dernière récolte du siècle, mon ancêtre et son épouse se rendirent au champ et constatèrent que tous les plants de manioc avaient été déterrés, les tubercules avaient disparu. Seuls les arbustes gisaient là sous l'ombrage des feuilles qui, encore vertes la veille, étaient devenues toutes sèches. Sur ces entrefaits, les choses-là arrivèrent et constatèrent le dégât. La femme chose-là se mit à hurler, accusant la femme crapuleuse, qui aussi se mit à hurler, accusant encore l'homme chose-là. Le pire fut pour mon ancêtre de constater que la légère bande de terre qui leur servait de frontière avait disparu comme si elle n'avait jamais existé. Évidemment. Évidemment qu'il accusa les choses-là de ce tour de passe-passe. Et après s'être bien insulté, s'être bien traité de tous les noms, chacun rentre chez lui et jura de ne plus laisser son voisin mettre un bout de pied sur un bout de terre qui lui appartiendrait. Mais beau-père, pour une histoire de manioc, pour une histoire de champ de manioc. Depuis mon enfance, on m'a toujours interdit de m'approcher de la famille des choses-là. Parce que mon ancêtre avait conclu un pacte avec le vôtre. Moi, j'ai toujours pensé que c'est parce que votre ancêtre avait été peut-être traîtreusement tué par chose là. Et là, vous m'apprenez que c'est pour une histoire de champ de manioc que tout le village est depuis tout ce temps divisé. Tu as raison. J'ai eu la même réaction quand mon père me révéla le lourd secret. C'est alors qu'il me révéla encore un secret plus lourd. Enterra à tout jamais les possibilités de réconciliation de nos deux familles. Et qui serait?
le fils aîné des choses-là aurait été surpris et bien mon arrière-grand-mère se baignant nue au bord de l'océan. Ce fut l'acte d'agression de trop. Mais vous plaisantez, je suppose. Appartiens-tu en secret à la famille des choses-là? Hein? Aurais-tu fait un pacte en secret avec eux pour venir me défier? Hein? Comment ne peux-tu pas comprendre que le regard de ces choses-là est mal multiplié la malédiction? Comment ne peux-tu pas comprendre que regarder le beau corps nu de mon ancêtre, qui à cette époque-là était la plus belle de l'univers, multiplié la malédiction par 10 et qu'elle est devenue malade, vomissant sans cesse de l'eau salée et souffrant de nausées abondes, nausées, et que son ventre petit à petit grossissait et que gnarpata! Le guérisseur de notre famille annonça que le regard des choses-là s'était incrusté dans son pareil et avait laissé un petit génie. Ah, beau père! Donc, vous êtes le descendant de ce génie? Ta bêtise, Tiapia! Ta bêtise! Ta bêtise te noira. Elle n'a d'égal que ton ignorance. Et si je n'étais pas convaincu que tu épouserais Ruyette, jamais, jamais, jamais je ne te conterai cette histoire jusqu'à la fin. Et d'ailleurs... Donc jamais je... Et comment est-ce que je considérais donner ma fille bien-aimée de tout ça, ce vaurien? Vraiment! Hein? À vous! Hein? Tu ne dis plus rien? Et ça, c'est dit ah. Hein? Et ça, c'est dit ah. Allez, oust! Hors de ma vue! Et que je ne te revois plus jamais traîner ton regard et tes pères malheureux dans les périmètres de Ruyet. Allez! Tu ne parles plus? Il s'en va. Il s'en va comme si j'étais un père auquel on doit échapper. Hein? Ce fils de brigand, cette vermine, cette fripouille, ce tabellicraco rouillé. Oh! Vaut mieux donner ma fille bien-aimée à ces choses-là que j'ai triperé de mes propres mains. Hé, Tilapia! Tu ne réponds plus? FDP, ROR, MOMO, CULU, Sotoko, Basic, et Combank, Pai, Western Union, Timoni, BTCI, Aura Bank, et Flouze! Tu ne réponds plus! Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Pourquoi n'es-tu pas à Langba, à Pati,
Touglo ou Dougbelou? Pourquoi portes-tu ce nom qui ferme les portes du paradis, de mon paradis? Quel âge avais-je quand je t'ai vu pour la dernière fois? 12? 13 ans? À cet âge-là, on n'aime pas. On ne sait pas encore ce qu'est l'amour. Mais tu as dû me marquer au fer rouge, car aucun des hommes que j'ai ensuite rencontrés n'a pu avoir faveur à mes yeux. Je sentais un vide en moi que rien ne pouvait combler. Et mon pauvre père, qui ne savait plus en quel ancêtre se vouer. Je me préparais à passer le reste de ma vie auprès de ma mère, qui depuis mon enfance mène une vie d'ombre et dont je suis la seule réalité. Et là, tu es apparu comme un soleil d'avatant, chassant les lourds nuages et se met à luire. Oh, mon cœur s'était arrêté de battre, mon beau Joméo. Oh, mais où étais-tu? Où étais-tu tout ce temps quand je me languissais de toi sans te connaître? Où étais-tu quand mes larmes de désespoir faisaient abonder l'eau de notre puits? Doux et tendre Joméo, est-ce ton nom qui t'avait fait fuir notre quartier à jamais? Joméo? Joméo? Qu'est-ce qu'un nom? Qu'y a-t-il en un nom? Une banane aurait-elle un goût acide si elle s'appelait citron? Alors, jette aux orties le nom de Joméo et viens à moi, libéré de tout passé. Viens à mon cœur et je t'appellerai à l'amour forcé. Joméo? Est-ce toi, Joméo? Non, je ne le suis point. Es-tu un Montagan? Non plus, je suis celui qui t'aime de toute la profondeur de son cœur. Je suis celui qui, depuis son premier regard sur les divers de tes lèvres, n'a cessé un seul instant d'être à tes côtés sans avoir connu l'intérieur de ta chambre. Oh, tout le sang me monte à la tête, mon beau Joméo. Moi, la femme qui aurait dû préserver ses sentiments et te laisser lui faire une cour assidue et te noyer sous des noms sans nombre jusqu'à ce que le oui me soit arraché de force. Maintenant, tu connais mon cœur. Tu connais mes émotions. Tu rêves de mes doux duvets. Je suis toute à toi. Je suis... Et si tu n'étais à moi, cette nuit aurait été ma dernière sur terre. Je suis à toi tout entier, Juliette. Je le jure par le soleil. Je suis à toi tout entier. Oh, le jour point par le soleil. Oh. Car de nuit, il déserte le ciel. On ne peut lui faire confiance, le soleil. Quelquefois, je fais le linge et je l'étale au soleil, espérant qu'il serait sec en quelques heures, quand soudain, le soleil me tire la langue et s'en va se cacher derrière les nuages qui trempent mon linge à en faire fleuve. Ne jure point par le soleil, s'il te plaît. Par la lune. Elle est encore pire que le soleil. Des nuits entières, elle déserte le ciel et s'en va se cacher derrière les nuages à certainement boire du bon vin de palme. Il réapparaît pâle et effilé comme le couteau du forgeron à Fliouet. Ne jure point par la lune, s'il te plaît. Par le ciel, alors? Oh, non plus. Le ciel est un inconstant. Quelquefois rougeâtre, bleu, gris, blanc et... Elle commence par m'énerver, celle-là.
Alors je jure sur la terre sur laquelle je marche, quand bien même ces vrais arbres. Hé, Roméo! Hein? Passez-vous! Hein? C'est quoi? Jésus. C'est quoi? Arrête maintenant! Oh! C'est quoi ces affaires de lune, de soleil? Tu me jurais pour quoi même? Hein? Toi-même, tu es devant moi. Et au lieu de me prendre, on va finir à faire là, tu es là à faire ta poésie. Oh, tu penses qu'on est à la cour du roi des guerres? Hein? Ruliette, comment me parles-tu? Hey, je te parle comme la vraie Ruliette. Vos histoires de verbes à des types qualificatifs là, je m'en fiche totalement. Tu ne peux pas être honnête et dire tout simplement ce que tu veux faire de moi. Ruliette, tu parlais ainsi, non? Hein? C'est parce qu'on raconte que ceux qui s'aiment doivent parler comme s'ils avaient de l'huile d'amande douce à la bouche. Hein? Je peux te dire que j'en ai ma claque de toute cette hypocrisie là. En plus, vous venez embêter les gens avec vos tornades de mots qui ne veulent rien dire. Tu me jurerais pas la lune. Tu la connais? Elle te connaît? Tu sais qu'elle t'aime ou non? Si elle peut te protéger? Alors arrêtez, avançons. Juliette, tu parlais ainsi toute seule et ce que tu disais était beau, non? Je m'entraînais, c'est tout. Et puis pour les garçons, je vous connais. Hein? Je savais que tu pouvais traîner dans les bois, donc je devais bien me présenter, non? Moi, tu te croyais sincère, donc tu te jouais donc de moi. Hein? C'est quoi ça encore? Ah oui. Hein? Me jouer de toi, pourquoi? Quelqu'un me paye pour te dire ce que je te dis? Quelqu'un me paye pour te dire que je t'aime? Depuis que tu es née là, en dehors de ta maman, y a-t-il une femme qui est venue te dire d'elle-même qu'elle t'aimait et qu'elle voulait que tu la touches? C'est ce que tu veux, que je te touche? Tu es le seul gars avec qui j'ai une telle conversation et tu ne comprends pas ce que cela signifie. Tu penses que je suis une traînée à parler ainsi à tous les hommes? Oh, oh, faut quand toi là. Je voulais simplement être sûr. Je dis, quand tu vois le soleil se lever là, tu as besoin de demander à quelqu'un si c'est bien le soleil. Non. Ah, donc je suis devant toi. Prends-moi cadeau au lieu d'être là à jouer au poisson qui va filer partout. Oh. Te prendre cadeau et la dot, qu'est-ce qu'on en fait? Je crois que j'ai affaire à un gosse. Joméo, tu ne peux pas aller voir mon père ou demander ma mère. C'est ça, non? Ce que tes ancêtres s'est trompé au nôtre, c'était pas cool. Mais c'est pas mon problème. Ils se sont battus pour affaire de manioc. On est d'accord? Mais mon père risquerait de te tuer avec l'aide de cet imbécile de tilapia qui se prend pour le plus gros poisson du monde. Mon père, quant à lui aussi, est trop faible pour tuer qui que ce soit. Mais mon Dieu me chasserait de la maison. Joméo, tu viens encore chez ton père. Oh. Tu sais très bien que les temps sont difficiles ici et que ça fait des années qu'il ne pleut plus vraiment. Bon, on va pas recommencer avec ces histoires de pluie, de soleil. Si tu comprends bien nos situations, il nous reste quoi si on veut dormir ensemble dans le même lit tous les jours? Surtout toute la nuit. Ma petite carotte. Mon sac. Ma petite gonazo. Mon sac. Mon petit oignon. Mon colique zozo. Bon, alors on fait quoi? On peut aller à Melo, la grande ville. Et personne ne nous connaît là-bas et on vivrait plus tranquille. Tu sais, j'ai appris le métier de peintre, mais il y a très peu de maisons ici, donc je trime pour des goyaves. Et puis, j'ai des amis qui m'ont plusieurs fois conseillé de partir pour Melo, mais je ne voulais pas quitter mon père. Moi aussi, dis-moi, ma mère qui est certainement plus mauvaise état que ton père, mais si je ne pars pas d'ici, je finirai comme elle. Et pourquoi tu n'es pas encore partie? Oh, une fille dans une grande ville. Et puis c'est le destin, je devais t'attendre. Alors l'amour de ma vie, celle qui me permettait de m'accomplir et de me lever vers les dieux. Partons, partons pour la grande cité de l'univers. Franchement, ça m'étonne pas que tu n'aies pas trouvé. L'essentiel était de te trouver, toi. Hé, mon gars,
qui m'a trouvé. C'est moi qui t'ai trouvé. Oh, finalement, quelle importance. Nous nous sommes trouvés et nous quittons ce monde ingrat pour une vie d'amour, d'aventure et de passion. Bon, on va se marier d'abord. Joméo, Joméo, gagnez-moi. Joméo. Nous marier, mais si tôt. Tu veux pas te marier avec moi? C'est pas ça, mais on vient à peine de se rencontrer, non? Pourtant, tu veux partir. Laisser ta vie derrière toi. Partir avec moi à l'aventure. Mais me marier, ça te fait peur? Je n'en ai pas peur, mais... Oh. Écoute, nous devons apprendre à mieux nous connaître avant de prendre un tel si sérieux engagement, non? Sérieux engagement. Tu sais quoi? Franchement, laisse tomber. Tu ne devais pas être le chômeur que j'attendais. Oh, Liette, s'il te plaît. Bon, je te mets rien. Ne fais pas attention à mes paroles insensées. Tu sais, c'est le savoir-vivre qui quelquefois me manque. Marions-nous autant que tu veux. 10 fois, 20 fois si tu le désires. Hein? L'essentiel est qu'en allant me coucher au soir, je puisse te voir à mes côtés et que ton sourire soit le délice qui m'accueille à mon réveil. Juliette. Oui. Oui. Juliette, s'il te plaît. Toi là, regarde-moi là. Bon. Mais je te préviens. Chaque matin, quand je me réveille, j'ai une faim de lion. Et là, je peux t'assurer que je ne la fais pas sourire à personne. Alors, amour de ma vie. Chaque matin, je poserai à ton chevet un mot à coumé d'hier et un mot à coumé d'hier et un mot à coumé d'hier et un mot à coumé d'hier. Mon chéri. Tu sais, je vais parler aux femmes. J'adore les BCC avec beaucoup de poissons fumés et beaucoup d'oignons. Qui nous mariera en secret? Oh, j'ai pas en parler à ma soeur jumelle, Zanette. Elle a plus de tours dans son sac. Tu savais pas que tu avais une soeur jumelle? Oh, moi non plus. Il attend debout, de une rose à la main, non plus elle ne le retient. Dans sa love story, dans sa love story, c'est l'histoire d'une vie, love story. Ce que j'ai fait avec le père de Juliette, comme si cela le concernait. D'ailleurs, aurais-je voulu lui dire la vérité que j'en aurais été incapable car le bruit qui m'aurait alors pris nous aurait maintenu prisonniers de longues heures durant. Il est de ces gens que l'on rencontre dans des rues à dimanche précieuses, sentant le mimosa et parlant comme un livre écrit par un érudit. Et quand on gratte un peu, je ne le répéterai plus jamais, mais il faut que je sorte les mots pour me libérer l'intérieur, car il y a un rire à moi qui risque de me faire étouffer. Bon, il m'a demandé... Il m'a demandé le crapuleux de le suivre dans sa chambre. Je l'ai fait espérant que Juliette entre en ce moment, donnant la chance à Joméo de découvrir la femme apprêtée par le destin pour lui. Pas cette pimbèche de Rulazine qui nous aurait bousillé toute l'histoire. Joméo et Rulazine. Vous imaginez cela comme titre d'une histoire? De l'histoire qui doit grandir Vaughan.
Non, mais franchement. Bon, je pensais donc que le crapulet avait quelques pensées salaces et j'étais prête à le faire languir à l'infini. Et puis on entre dans la chambre et il referme la porte. Et sur le lit, je vois sa femme qui est assise en robe de nuit et qui nous regarde. Je me dis, bon, c'est pas cette histoire. Et qu'est-ce qu'il me demande? Qu'est-ce qu'il me demande, le crapule? Crapuleux enlève ses chaussures et aussitôt la chambre est envahie par l'odeur nauséabonde de porc à putréfaction. Il va s'asseoir auprès de sa femme et me demande de lui masser les pieds. Sa femme est tombée à ses côtes sur le champ. J'ai cru m'évanouir, tellement ces effluves nauséuses me tournaient la tête. Comment des pieds peuvent-ils puer de la sorte? Mais je devais aider Joméo. Retenant donc mon souffle, j'ai commencé à lui masser le pied droit. Je ne sais combien de minutes j'ai tenu avant de m'évanouir, mais à mon réveil, la pièce était vide et j'en ai profité pour m'éclipser. Ah, vraiment. Ah, pauvre femme. Je comprends pourquoi elle est devenue invisible. Et maintenant, il faut sauver l'Uriliette de ce père pourri. Me faire belle pour la sauver de la putréfaction à laquelle est condamnée sa mère. Attention, j'entends Joméo qui arrive. Voici venu le grand jour, chérie. Voici venu l'heure des amours, l'heure de l'offrande. J'espère que tu t'es au moins limé les ongles. Bien évidemment, tradition familiale non plus. Alors, la mariée, elle est en retard? Il paraît que c'est la tradition. Quelle tradition? J'ai appris cela quelque part au marché. Non, je comprends. Tu es sûr que tu as le droit de me marier? Pourquoi n'aurais-je pas ce droit? Je ne sais pas, je ne me suis jamais marié. Alors arrête de poser des questions idiotes. Tu es prêt à t'engager avec elle pour la vie? Oui, déjà oui, que mon cœur explose déjà au milieu de vagues lumineuses. Bon, bon, c'est bon, c'est bon. J'ai posé la question pour la porte. Pas besoin de me faire tout un discours. Je connais toute votre histoire, tu sais. Tu ne cesses de le dire. Je ne comprends nullement le sens. Mais bon, j'espère qu'il sera beau notre destin. Oh, évidemment qu'il le sera, vu que votre histoire est la plus célèbre histoire d'amour au monde. Tu as failli m'avoir avec cette histoire de Vulasie. Mais bon, Juliette, elle attend quoi? Enfin, une histoire qui sortira de vos gains et qui couvrira le reste du monde. Tu as invité des musiciens? Non, pourquoi? Tu n'entends pas de musique? Non, rien du tout. Hein? Tu en es sûr? Oh, parce que je t'ai dit! Oh. Moi, j'entends une marche nuptiale. De quoi tu parles? Bon, ça doit être l'effet secondaire d'un certain théâtre, mémé. Mais Juliette, comment es-tu habillée? Hein? Ne devais-tu pas être la plus belle des épouses que ce monde ait jamais vue? Je suis habillée comment? Oh, tu devais porter une robe blanche et puis une voile, non? Oh, mariage à ses concours de blancheur? Non, mais un peu quand même. Hé, hey, Sanette, on peut y aller. On doit se dépêcher, car je crois que mon père a un soupçon. Quand je sortais de la maison, il a commencé par me poser des questions bizarres. Et il voulait même qu'un de ses larmes m'accompagne à cause de sécurité. Comme si insécurité là même peut se tenir devant moi. Et ça n'est pas méchant. Bien. Juliette Crapuleux, veux-tu prendre pour époux Joméo Montaga ici présent et rester avec lui jusqu'à ta mort? Mais ça n'est pas. Quelle est cette manière de poser la question? Tu ne peux pas être un peu plus
subtil et faire un bref récit de notre amour et des raisons qui nous amènent à braver tous les interdits à l'ouvrir. Joméo, elle prononce mes noms, Montagan et Crapuleux dans la même phrase. Mais ça ne te suffit pas. Ce moment, dans ce moment, doit rester à jamais inoubliable. Oui, il le sera. Les belles phrases, tu pourras me faire ça quand on sera caché dans une chambre bien loin. Zanette, on peut y aller. Alors, je vous déclare... Alors, je nous déclare mari et femme pour l'éternité. On ne se quitte jamais, d'accord? Pas l'heure. L'heure aussi. On est d'accord? La foudre de ma colère! La foudre de ma colère! La foudre de ma colère! Toi, j'aurais dû t'éviscérer quand tu trembles comme une crevette sous la lame de mon épée! Tu as perdu tes misères? Toi, l'intruse! L'inconnu, tu l'as fait. Ce n'est pas une inconnue, c'est ma soeur jumelle. Quand un homme serait fait ta mère jumelle, que son corps maigrichon ne saurait te dérober du feu ardent de ma colère. Bon, la cérémonie est terminée. Voilà. Je vous souhaite longue vie. Et toi, je suis là avec l'épée et tu m'ignores. Oh. Il n'y a rien de mieux que la vie d'une femme que de tenir compagnie à une autre femme dans la cuisine, chiffon à la main, et de réluire toute la maison qui brillera comme un feu de brousse. Bébé! Bébé est mort! Et moi? Mais beau-père! Tu viendras une fois par semaine et ton quand tu passeras une fois par semaine tenir compagnie à Juliette. Et si cela te chante de chasser les araignées, tu continueras à coups de grands balais. Yes! Non, j'ai parlé! Mais papa! Et qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux le laisser se battre avec un homme armé d'épée? Oh, tu veux faire tuer mon mari devant mes yeux? Pour la troisième fois de sa vie, ma fille a raison. Il n'est pas de bon ton d'assassiner son gendre, n'est-ce pas? Bon père. Alors, avouons. Ma petite ailleurs si tu le veux. Alors, mon cher gendre. Oui, bon père. Quand comptais-tu m'apporter la dot?
Ou comptais-tu jeter de l'opprobre sur ma famille, comme tes ancêtres ont dû se donner le mal de faire de nous la risée de toute la vie entière? Mon père! Mais Roméo! Arrête ton acte à ce fillon! Dis-lui simplement ce que tu veux donner comme dot pour me prendre et on va finir avec l'affaire-là. Je ne possède rien, moi. Tout homme pauvre possède un trésor caché. Livre-moi ce dont ton indigence possède et je te comblerai à travers les fesses de ma fille. Ok. Je possède un petit carré près du Logence des Anges. Je te l'offre, beau-père. Bien. Tout ce qui a été dit ne peut être repéré. Mais c'est bien. Oui, beau-père. Est-ce tout? J'ai une petite marmite cachée au fin fond de ma case. J'y cultive les plus longs et les plus gros vers le terre de la planète. Il est à toi, mon père. Tu comptais à toi seul vider les poissons de la mer. En fait, oui. Peux-tu jurer que tout cela m'appartient à partir de cet instant? Absolument. Absolument, je le jure sur la tête de mes parents, de mon père et de mes illustres ancêtres. Arrête de me parler de tes ancêtres. Sinon, je te livre point aimé à dire la pierre qui se fera le plaisir de te découper avant de t'assaisonner à son feu de colère. Beau-père dansant, Emma. Beau-père sait que je suis le plus grand et le plus grand. Alors, beau-père, tu vas bien. Beau-père, que m'offrirais-tu pour la main de Ruyette? Beau-père! Arrête de me donner ce nom et va redemander à tes parents ce qu'ils ont fait à nos ancêtres. Osez regarder le cœur nu de mon ancêtre pendant qu'elle se baignait et amputer ainsi pour insérer dans son corps un esprit malveillant. Et toi, tu as l'outrecuidance de jeter ton regard tard vers retard sur ma fille et la croissance de ton corps corrosif, hein? Veux-tu souiller ma progéniture en lui donnant ta semence dépravée aux yeux de grenouille? Tu veux la souiller? À vous. N'est-ce pas? Et toi, Péendine, qui ose sa coquine de l'ennemi. À vous. Je prendrai tout ce qu'il a promis. Mais tu ne serais pas à lui. Alors, Tilapia. Je t'écoute. Mon père. Moi. Brari Tilapia. Bébé 5811 Lomébé. Je t'offrirai non pas de vulgaires vers de terre pour cueillir des poissons, mais la mer tout entière. Des lagunes, des cascades, des tours, des ruisseaux, des rigoles de la rigolade regorgeant de poissons. Mon père, je te les offre. Je t'offrirai même des sons regorgeants de sarcosticules, de baleines bleues franches, n'est-ce pas? Et même des hippopotames dansant le twerk. Hey! Oh là là là! De l'eau de la mer. Oh là 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 là! C'est une danse des pêches, oh là là! Tu l'as bien! Je voudrais te confier un secret. C'est l'un de mes plus grands secrets. Je t'écoute, bébé. Mais tu l'as bien. N'est-ce pas? Je suis collectionneur de fesses. Bon, père. Quelle fesse?
Mon père qui aime les fesses. Mais évidemment, que crois-tu? Des fesses en cercle, des fesses en octogone, des fesses en décagone, des fesses en étradécagone, des fesses en hexagone, mais il y a des cagones, des fesses à ma foucagone. Mon père, je ne savais pas que toi et moi nous avons autant de points en commun. Vous en cachez-vous des succulents vis biscornus? Un octogone, oh là là, un des cagones. Crois-tu, je suis un homme de l'IHA. Un octogone, un décagone, un octogone, un décagone. Oh! Où est-ce? Hein? Où est-ce? Oh! Roulette! Roulette! Hé, roulette! Hé, roulette, toi, ici! Hé, roulette! Roulette! Hé, roulette! Échappée belle. Ça me fait mal de le dire. Mais mon papa est un vrai idiot. Tu sais, c'est pour ça qu'il garde maman à la maison. Sinon, tout le royaume va savoir que sa femme est mille fois plus intelligente que lui. Et quand un idiot rencontre un homme encore plus idiot que lui, ça devient armé de guêpes. Et ça vole là-bas et ça pique, et pique, 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 qu'ils veulent. Bon, que je revienne, on va faire la chose là et puis c'est fini. Depuis là, ça me fatigue la tête, ça me fatigue le ventre, ça me fatigue les jambes. C'est vrai quoi, des fois je marche et je tombe toute seule. Et je sais que c'est à cause de ça. Et ma cousine Trihuahua, elle s'en fout. Hein. Elle dit que quand elle a faim, elle mange. Elle se moque de moi en disant que je suis trop sélective et que si je continue ainsi, je vais finir vieille fille. Mais moi, je veux sentir ce qu'il faut. Quand ses mains passeront sur mon corps, je me mettrai à trembler de désir, à vouloir qu'elle s'incruste dans toutes les plaines creusées par ma faim. Car quand moi j'ai faim de patates douces, je ne mange pas d'iname par défaut. Cela risquerait de me faire vomir tout mon être entier. Et puis, je ne serais plus moi-même. Mais celle qui devient la chose de l'autre pour son propre plaisir et non le mien. Je savais que ce Joméo avait planté une graine. De tout cela reste pour que les dieux là-haut prennent bien note qu'ici-bas nous avons trouvé notre... Oh! Joméo! 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 Joméo ne vaut rien, hein? Joméo! Joméo! Oh. Joméo! Hé, hey, Joméo! Joméo? Joméo! Tu ne vas pas m'abandonner, non? Joméo? Mais Joméo, arrête tes bêtises et viens, s'il te plaît! Joméo! Je t'insulte, te traite de vaurien, mais c'est pour rire. Et parce que tu es le seul homme avec qui je peux me sentir moi-même. Joméo! Joméo, arrête tes bêtises et sors des bois, s'il te plaît! Joméo! Non! Joméo! 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 Joméo!
Zanette, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je vous ai suivi pour vous aider à accomplir votre destin. Vous aider à vivre la plus grande histoire d'amour afin que l'avenir ne soit pas possible. Tu parles bizarrement, toi. Ça va bien? Oui, bien. Le temps nous file entre les doigts et nous devons en finir avec cette histoire. Non, je veux bien, mais je ne vois pas Joméo. J'ai commencé par avoir peur, craignant que mon père est tout imbécile de Tilapia. Joméo va bien. Mais avant qu'il ne vienne te trouver, tu dois accomplir ton destin pour que votre vie ne soit pas vaine et que vous deveniez un exemple pour l'humanité entière. Zanette, tu es sûre que ça va bien? Je ne pourrais aller mieux. Je suis là pour vous aider à vous unir pour l'éternité. Alors on fait quoi? Vois dans le contenu. Et bientôt, je ne serai jamais d'après. Ça a l'odeur de la mort. L'illusion de la mort. Quand ton père te trouvera, il te croira mort. On te fera de belles funérailles. Mais dès l'instant où ils seront partis, je reviendrai avec toi pour nous te repérer. Car en réalité, ce produit ne fera que te plonger dans un profond sommeil. Je te fais confiance, hein. Zanette, il revient vite, hein, parce qu'il fait vraiment chaud ici. Ah!
Et tous ceux qui montent sur scène pour jouer.
trouver l'histoire de Joméo et Juliette. Que devient quand il est resté? Mieux vaut être un égoïste vivant qu'un prétentieux mort! Si je t'attrape! Oh, coup de chance, la civile ne passera pas par moi! Que vous allez comprendre. Donc du coup, je vais juste faire un petit résumé. Il y a de cela 2 ans, l'association Fargo Culture avec ses partenaires a sillonné un peu l'Afrique de l'Ouest à la recherche d'histoires authentiquement africaines pour la création de spectacles, théâtre ou de films. Alors, dans notre périple, nous avons atterri à Vaughan. Vaughan la grande, pas Vaughan la petite. Hein. Et nous avions vu un homme qui campait pendant des mois devant le lycée et qui voulait que l'histoire de son village y soit enseignée. Nous sommes approchés de lui, nous lui avons posé des questions et il nous a dit qu'il aurait entendu parler d'une histoire qui venait de chez lui, Vaughan, et qui serait connue un peu partout dans le monde. Sûrement que ça a été chopé par un colon ou un marchand d'esclaves et ça a été exporté vers l'Angleterre victorienne. Et un acteur va nu-pied aurait réécrit l'histoire et ça aurait fait un succès planétaire. Le monsieur, il disait qu'il voulait porter plainte auprès de l'UNESCO pour vol de propriété intellectuelle. Bon, bien évidemment, nous avons ri. Mais après qu'il nous ait raconté l'histoire, on l'a pris au sérieux et on a voulu colporter cette histoire sur scène pour notre charmant public. Alors, ce soir, nous avons mis en scène l'histoire de ce monsieur, monsieur Asankli Tritolu, qui est quelque part là dans le public. Si vous voulez le poser des questions, vous pouvez l'aborder à la fin, mais en prenant soin de lui avoir déjà offert une bouteille de Sourabi à l'avance. C'était donc pour vous, mesdames et messieurs, Joméo et Juliette, un test et une mise en scène de Samuel Wilsy que j'ai eu la joie d'assister.
vous. Je voudrais juste vous rappeler. Pardon, présentez-vous maintenant. Oh. C'était donc Zoméo et Juliette, un spectacle, un test et une mise en scène de Samuel Wilsy que j'ai assisté. Sur scène, on a Jean Touglot. Janine Besoga. Yerima Adjaratou. Fabrice Paraiso. Guy Bounou. Joël Jacabi. Mathieu Sessoussoupa. Oh, les pas. Ego Ameibo. Et à l'administration. Bonne nuit, Sorabé qui a fait la télé. Et le charmant public, bien évidemment. Simon. Merci à vous. Celui qui a joué au tambour, il s'appelle comment?